Ah, bonsoir! Bonsoir à toutes et à tous! Bienvenue pour du Dark Souls! Ah, oh, ça commence déjà les conneries! Salut! Salut, salut! Alors, je vais vous expliquer un truc. Alors, à ceux qui sont pas sur le cœur, je vais vous expliquer un truc super marrant. Voyez-vous, quand je pose ma manette, il se trouve que parfois ça fait ça. Voilà. C'est parce que c'est une gâchette, du coup, des fois on la pose pas bien, ça fait ça. Si vous vous souvenez, si vous vous souvenez, hier je m'étais arrêté là. Du coup, bah, quand j'ai posé ma manette, ça a fait sproutch et j'ai explosé la queue du dragon. Du coup, je vais rendre à César ce qui appartient à César. Je sais plus, enfin, je sais plus qui du coup. Le chat m'avait dit, tu vois, c'est trop bien. Ça m'a effectivement donné une épée qui me semble tout à fait pas mal. Le problème, c'est qu'il faut 50 en force pour l'équiper, que ça sert à rien, et que du coup ça servait absolument à rien que je vienne ici maintenant, puisque je peux pas l'équiper. Donc voilà. Et je confirme donc que ça, le dragon il s'en fout. Et à améliorer. En fait, je peux l'améliorer de deux niveaux parce que j'ai trois écailles de dragon, donc normalement je peux faire deux niveaux. Et après, ben ouais, j'ai. Mais bon, de toute façon, honnêtement, je sais même pas si je vais l'équiper l'épée parce que je suis très satisfait de mon arme, je suis très satisfait de son moveset que j'ai appris à maîtriser. Et bah je l'ai EP bien comme il faut celle-là, donc bon. C'est ça, moi. Ouais, j'ai décalqué le dragon. Hein. Mais il a rien dit, hein, le dragon. Hein. Poker face. Hein, C'est un peu surréaliste. Hein. Salut Euriste. Ah, t'as loupé mon anecdote du coup. Ah bah tant pis. La queue lui sert pas. Il y a plein de gens dont la queue ne sert pas et ils seraient pas contents qu'on la leur coupe, quoi. J'en ai mal parlé en plus gratos, mais je l'ai pas fait, mais. Oui, je l'avais raconté sur Discord l'anecdote, mais je l'avais raconté oralement aussi pour les gens qui ne sont pas sur Discord. Voilà. Mais c'était ça, Uriste. Donc je me casse maintenant. J'utilise une palourde parce que j'aime pas les palourdes. Ah, demain ça va aller plus vite, hein, je pense. Ah bah ouais. Ah bah ouais, plus vite quand même. Oh bah non. Respecter les gens. Non, non, mais je comprends qu'on n'ait pas envie d'aller sur Discord. Hein. C'est pour ça que j'annonce aussi sur Twitter. Bah rien de Twitch, hein, il annonce quand je vais en stream. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas d'obligation. Seule obligation, c'est de s'amuser. Amusez-vous, bordel de merde. Ah oui, des gros logos. Hein. Je pense pas, Fury. Je pense pas. Je pense pas parce que comme je t'ai dit, quitte à payer un écran à la peau du cul, un truc de ce standing là, quoi, je veux dire, autant qu'il soit 4K pour que tu ne changes pas dans 2 ans, tu vois.
Ah, moi je sais ce que je vais faire. Je vais laisser les champignons en paix. Alors, de quelle zone précédente parle-t-on en fait? Je suis coincé. D'accord. Mais par contre, je suis coincé pour de vrai. Hein. Ceci n'est pas une blague. Ceci n'est pas un exercice. Allez, va bien te faire foutre. Jeu de merde. Bon, c'est normal, hein, on commence, on meurt à la base. La zone boueuse. Ah, puis j'ai oublié. Bah oui, je suis con par contre là. J'ai oublié de prendre le feu. Oui, là je suis con. La zone boueuse toxique là, tout ça. Bah. Je sais pas. J'avoue, je sais pas. Si j'ai fini d'explorer. La marchande vend des trucs cool, effectivement. Là-dessus, vous m'avez pas menti. Hein. Alors, j'ai rien acheté. J'ai rien acheté, mais elle vend des trucs sympas. Notamment, si j'avais su, j'aurais acheté des lichens violets, là, et tout. Mais elle vend aussi les trucs, là, pour avoir des attaques de feu ou de foudre et tout. Elle vend plein de flèches. Ouais, c'est une bonne marchande. Bah ouais, mais c'est fourbe, enfin c'est fourbe, non, c'est bien, mais je savais pas. Je savais pas, si j'avais su, j'aurais pris plein, j'aurais pris des milliers, peut-être pas des milliers, mais plein de trucs anti-poison. Non, j'ai déjà pris toxique dans la gueule, Rist. Il y a du toxique dans cette zone-là. Non, mais le toxique, c'est la plus mauvaise invention de l'histoire du jeu vidéo. Voilà, hein. Si on meurt, on se rattrapera pas tout. Bah oui, je vois pas comment survivre à toxique en fait sans le truc contre l'altération. C'est juste pas possible. Enfin, avant d'avoir des centaines de milliers de PV, je pense. Ou alors peut-être des équipements anti. Je vais y arriver, je vous promets, je vais y arriver un jour. C'est ça va arriver. Ça va arriver près de chez vous. Même avec le max de potions, hein, ça part tellement vite. Alors la question que tout le monde se pose, si vous vous la posez pas, moi je me la pose.
sont... Où sont les âmes? Elles sont où, mais... Elles sont où, mes âmes? Ah bah oui. Elles sont... Oui, évidemment. Elles sont à l'endroit où je peux plus remonter après. D'accord. Casse-toi le champignon. Alors, j'ai cité un philosophe célèbre. C'est beau, mais c'est loin. Ah oui, il y a les grenouilles après, hein, c'est ça? Non mais j'ai même pas... Oh non, non mais je veux pas cet item. Je suis sûr que c'est de la merde, je suis sûr que c'est nul. Vous êtes trop. Vous êtes trop et trop près. Ah, ça fait croix-croix, c'est des grenouilles. C'est une arme qui one-shot. Oui, ça s'appelle la chute et ça te one-shot, effectivement, c'est vrai. L'œil de la mort. Qui me crache? Salut Crazy. Regardez mon superbe bandeau de ninja de Konoha. Ah non, c'est pas Konoha ça, c'est... Ah non, mais c'est une imitation, c'est pas un vrai ninja. Il a pas de symbole d'un des pays des ninjas. C'est un fake ninja. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Vite, faut que je le tue. Ah bah, voilà. D'accord, mais sinon... Ok. Il est bien ce jeu, hein. J'aime beaucoup. Mais non, j'ai pas tué Solaire. Solaire, c'est un bon gars. Solaire, c'est un bon gars. Non, j'ai tué le chevalier d'or là. Il m'inspirait vraiment pas la confiance, le mec, donc je lui ai cassé sa gueule. Mais par contre, du coup, parce que je remonte comment? Un ninja avec un bouclier, une clé. Alors attention. Attention, là c'est très important. Scalino ne connaît pas ses classiques. Alors, attends. Alors, non, merde. Voilà. Je suis désolé, hein. Je suis obligé de...
Alors, mais je peux pas sauter, il veut pas sauter mon bonhomme. Regardez, je fais ça, et puis je saute. Merde, non, sauter, j'ai dit. Voilà. Ah, il a pas de bouclier, c'est vrai. C'est vrai, il a pas de bouclier. J'ai pas vu de perso avec un bouclier d'ailleurs dans le jeu. Dans Naruto, ça me dit rien comme ça, mais peut-être. Ou alors faut que je tombe. Ou alors faut que je fasse un saut ici là. Non, faut pas que je fasse un saut ici. Je vais mourir. Ah voilà. Objection, il a pas de bouclier. Ah déjà je t'ai trouvé un ninja avec une épée encore plus grande que celle-là. Calmez-vous. Je n'ai pas ramassé cet objet. Cassez-vous, monsieur! Ah non, on a déjà été maudit une fois, c'est bon, hein, plus jamais. Hein. Attends, faut que je les tue parce que je vais me faire baiser. Je vais me faire baiser, ça va me suivre, ça va me tuer. Ah oh, bravo! Allez, allez, on te le donne, Urist. Si tu veux. Bah pour en revenir sur le mec en... Je sais pas ce que c'est mais c'est cool, je suis content d'en avoir eu. Pour en revenir sur... oui j'ai tué le mec en armure dorée, là je le sentais pas le gars donc je... Voilà, je sais pas si... Je sais pas si j'ai bien fait ou pas mais... Moi je le sentais pas donc... Il m'a donné un équipement cool en plus hein. Regardez, il m'a donné ça. Ah non, je veux pas. Oh là là. Il m'a donné ça. C'est cool. Ça augmente les PV, l'endurance, tout. Ça se casse quand je l'enlève. Bon. Bah je sais pas parce que si un jour je refais le jeu, je pense que je ferai tous les trucs à l'inverse de ce que j'ai fait. Ah bah ouais, je compte pas l'enlever hein. Je compte pas l'enlever. Franchement, il m'a l'air vraiment bien Stan. Je suis en train de me dire. J'avais cet anneau de merde pour l'hydre, c'était peut-être pas une bonne idée. Alors là, mais honnêtement là je crois que quand même que j'ai bien tourné partout. Hein. Je sais pas ce que j'aurais pu manquer. Enfin, peut-être des objets. Mais je crois que là vaut mieux que je retourne à... vers le début du jeu là que je commence à aller taper je vais aller défoncer ce papillon géant là dans la forêt là. Je veux prendre ma revanche au moins là dessus. J'ai vraiment raté le truc alors qu'il était à 2 cm de moi. Bah oui, l'anneau de fer, oui, je confirme, j'aurais pas dû le garder dans ce marais là. Je
Parce que je suis chercher des objets, pour moi honnêtement, plus grand chose là. Plus grand chose. Moi j'ai rien tâté du tout moi. Ah, mes amis les moustiques. Dangereux. D'accord, je l'ai. Comme vous êtes trop drôle. Moi je connais Laurel et Hardy. Bon bah écoutez, je vais remonter. Hein. Oh bah ouais, j'ai sans doute raté des objets. Hein. Bah écoutez, c'est le jeu hein. C'est le jeu ma pauvre Ducette. Ils sont deux là ? J'aurais vraiment aimé un... Je sais pas, un raccourci peut-être pour remonter plus facilement. Attendez. Peut-être rater un truc en bas. M'étonnerait pas qu'ils aient mis un truc en bas pour créer un raccourci quelque part. Je vais... Mais ça serait où ? Emmène-toi, toi. Je viens de me dégueuler du feu sur la gueule quoi. Ouais, j'ai trouvé une grande braise atomique là. Le truc là pour améliorer tes fioles d'estus si j'ai bien compris. Mais il n'y avait pas l'air d'y avoir de sortie. On n'est pas allé voir ce qu'il y avait derrière le domaine de Kelag là. J'ai oublié le nom, mais tu sais ce que c'est. Tu sais ce que c'est. Je sais que tu sais ce que c'est. Ah, vous savez ce qu'on va faire? On va Ouais, t'as raison. On va aller sauvegarder. Je suis d'accord. Parce qu'on sait jamais. On sait jamais ce qui peut m'arriver dans la gueule. Attends, je te dis, attends ce que j'ai eu. Une âme de gardienne du feu. Une braise atomique, une âme de gardienne du feu, c'est pareil. Ramène-toi, toi.
Non mais je... Non c'est pas possible. Y'a rien derrière ce... Non, bah écoutez... Je vais retourner par où je suis rentré je crois parce que... Mais tu veux pas venir? Ah, si quand même. Bim. Et là, ça aurait été rigolo que tu le tues et que du coup le rocher il te tombe dessus, tu sais. Salut Saina. Rappelez-moi ce que je... Ah oui, un autre chemin. Mais je crois que... Je crois que s'il y a un autre chemin... C'est pas par là. Hein. Bah avouez, avouez l'ennemi tient un gros rocher, vous le tuez, le rocher vous tombe sur la gueule normalement. Non? Oh les murs invisibles. Ah. Eh, hey, le bonfire, pareil, le feu de camp mimique, je veux dire, la meilleure idée du monde. Ah, il y en a qui l'ont, il y en a qui ont fait des mods avec des bonfire mimiques, c'est ça? Ah, les échelles mimiques, bien aussi. Les échelles mimiques, je valide pas mal en fait. Hein. Je vais aller voir ce qu'il y a derrière ce pilier là. Bon après si on est empoisonné c'est pas trop grave. Hein. Tant que c'est du poison entre guillemets classique ça va. Ah ça m'intéresse. Ah ouais! Pas mal, pas mal. Mais il y a déjà dans... Dans Ocarina of Time, j'ai repensé, il y a des portes qui t'attaquent. Bon bah écoutez, moi je trouve pas d'autre chemin. En fait, si, y a quand même un truc que je trouve chelou. C'est que là c'est chaud, y a rien quoi.
Enfin, il y avait le coffre. Bon, il y avait. Je sais même plus ce qu'il y avait dedans, mais. Y a rien. Ah bah ouais. PNJ Mimi. Bah honnêtement, il... Sadik, oui, mais ils ont quand même fait un level design assez solide. Et donc un raccourci vers... Enfin un raccourci, un truc vers une autre zone du jeu. Enfin voilà, ça m'aurait pas semblé déconnant. Mais bon. Je vais remonter, hein, c'est pas grave. Hein. Ça me fait pas peur, hein. Ou casser la gueule, hein. Joli. J'ai tout mis à côté. Chaud, putain, je suis empoisonné. Mais vous êtes... C'est pas possible ça, tiens. La marchande est un PNJ mimique, je suis désolé. Attendez, par contre. Voilà. On va bien se calmer là les copains parce que j'ai fait de la merde. Ah. Pardon. Bravo. Bravo. Bah on n'est pas remonté, moi je vous le dis, hein. Oui, ouais, Uriste, j'ai vu. Et c'est bien pratique. Et je crois que ça, ça y était pas dans le jeu de base, c'est un ajout du remaster. Hein. Si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah, merci. Qu'est-ce qu'il y a noir qui monte et qui descend? Bah c'est moi. Oh! Ouais, alors concrètement, là ça se passe comment? Bah oui. Un bug pour dupliquer les objets, mais ça veut rien dire. Ah non, non, on se souvient de ça.
Ouais, c'est là. Ouais, c'est là. Sérieusement? Là. Salut Monsieur Poussin. Depuis la dernière. Alors attends, je sais plus. Tu étais là hier, je crois. Non, je sais plus. Le dernier boss que j'ai tué qui avait un nom, c'était la charge. Incessante, incandescente, je ne sais pas, un gros truc de lave énorme. Et j'ai tué l'hydre aussi là au. Je sais pas où là, mais apparemment c'était pas un vrai boss, on m'a dit donc. Voilà. D'accord, bah voilà, bah hier j'ai tué ces deux là. Enfin ces trois là, pour moi l'hydre c'était quand même un boss. Je vais pas crever là quand même. Eh bah si, eh bah non, coup de bol. Ah, par contre, je me suis pas renseigné, mais je crois ils ont. Je crois. D'après les réactions qu'il y a eu, j'ai l'impression qu'ils ont. Rendu Kellag plus facile. Parce que les gens avaient l'air dubitatifs que je la tue en seulement deux essais. Ouais, oh, tu sais, il y a plein de trucs cachés. Bah tu vois par exemple l'armure de ninja. La première fois que je suis allé dans la zone, je suis allé à ce feu-là. Puis après j'avais décidé de revenir pour faire des trucs. Enfin, mais la première fois, je l'avais même pas vu. Puis après, je me suis vautré, je sais plus où. Et puis... Et puis je l'ai trouvé. Parce que là, en gros, en me collant à elle, il n'y a aucune de ses attaques qui me touchait. Sauf la grosse explosion, là, mais je voyais bien quand elle la faisait, donc je m'éloignais. Puis après, je me recollais à elle, et puis... Donc je sais pas. J'ai peut-être eu de la chance. Mais peut-être qu'ils ont fait que les patterns chiants sortaient moins souvent aussi, tu vois. Pourquoi je vais là? Moi, c'est pas là. Hein. Oui, oui, j'apprécie. Mais en vrai, alors moi, je suis plutôt le genre de mec quand un jeu, de toute façon, il me plaît vraiment pas. Et que je sens qu'il va durer des heures et des heures, je me force pas. Donc déjà le fait que je l'ai continué, c'était déjà bon signe. Hein.
Et oui, oui, j'apprécie le jeu. Hein. En fait, faut garder en tête que bah, le jeu est sorti en 2008 et qu'entre temps, il y a eu plein d'autres jeux du style. Mais faut garder en tête que bah, les innovations qu'il y a eu au fil de ces jeux-là, lui, il n'en a pas profité, mais c'est normal. Une fois que tu comprends bien ça, bah ça passe en fait. Ça passe totalement. Ah oui, mais d'accord. Eh ben là on est bien là. Eh ben sur Kellag, mais t'as raison, en plus c'est un coup de bol parce que je sais plus ce que j'ai fait, mais je me suis retrouvé collé à elle au moment où elle donnait son grand coup d'épée. Super stylé hein, le coup d'épée là qui fait une trace de flamme en toile d'araignée, c'est magnifique. Et bref, elle a fait ça et elle m'a pas touché parce que j'étais collé à elle. Du coup bah j'ai fait ok. J'ai compris. Bah un remaster du 3 ce serait peut-être un peu rapide quand même. Non, par contre en vrai les gars je fais quoi là? Wouah. D'accord, du côté où est le mob ça ira mieux. Le 2, je sais pas. Il est sorti sur quoi le 2? PS3? Enfin, PS3, PC, tout ça, mais. C'était de l'ère de la PS3. Est-ce que ça en vaut la peine, d'après vous? Moi, je dis on tente. Ça n'en valait clairement pas la peine. Alors c'est pas... je vous vois déjà là vous dire « Ah la chance qu'il a et tout », c'est pas de la chance hein, bien sûr. C'est de la maîtrise incontestable. En réception, voilà, c'est tout. Ça c'est fait. Alors attendez. Par contre, blague à part. Je remonte comment? Ah! Petit salaud! Je réitère donc ma question, je remonte comment? Je me souviens être déjà passé, avoir vu des trucs ici. Hein. J'ai déjà fait des choses. Mais alors quoi? D'ailleurs une échelle. Oui, non, là on va pas tomber. Hein. Ce serait stupide. Censé y avoir des... Ah donc j'ai peut-être par contre franchi cette passerelle pour rien.
La plus bordée. Honnêtement, oui, je... Alors, je pourrais faire l'erreur de ma... de me reposer au feu, mais je ne vais pas le faire. Ça, ce serait clairement une erreur. Oh, ce coup de chance. Alun. Mais non, Alun, c'est un petit village près du Mans. Vous dites n'importe quoi. C'est pas un samouraï. Qu'est-ce que vous racontez? Tu m'as pas vu. Tu m'as vu. Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Bah oui, mais là... Je suis moyennement d'accord sur cette mort. En fait, j'ai voulu les tuer, je sais pas pourquoi, parce que je peux courir et il me rattrape pas. Donc là, j'étais très très con. J'ai bien fait de mourir, voilà, c'est bien fait pour ma gueule. Et surtout, j'ai fait de la merde aussi, donc du coup, doublement bien fait pour ma gueule. J'ai été sartois pendant un petit moment, ouais. Et ma tante habitait à Lune aussi, accessoirement. J'ai fait mes études au Mans et j'ai bossé après deux ans au Mans. Donc, j'ai globalement passé 7 ans de ma vie dans le coin. Ah, d'accord, vous faites des trucs comme ça, vous, ok. Bah, moi je fais ça. Vas-y, descends, hein, je suis là, hein, je... Donne des coups de poing, moi, tiens. 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 Tiens, deux dégâts, tiens. Aïe. Je suis sartois, ouais. Putain, je suis mort tellement comme un con, là. Je suis tellement deg, en fait. Que les deux petits, je pense qu'ils peuvent m'embêter, donc je les tue. Mais les gros, easy peasy. Hein. Je cure et puis ma vie. Easy peasy, hein, j'ai dit. Easy peasy. Bon, bah je vais devoir déchaîner ma fureur. Tant pis, je voulais leur laisser une occasion de survivre. Ils ne veulent pas. Ils le paieront. Ils le paieront de leur vie. J'étais tous vos copains là, voilà.
Ouais, j'hésitais à. Mais franchement, j'hésitais vraiment à mettre quelques points en dextérité pour pouvoir taper des trucs avec. Parce que j'ai un arc en fait, en vrai. Mais je peux pas me l'équiper. Mais j'ai looté un arc à un moment, je sais plus où. Et je peux pas l'équiper et c'est bien. C'est bien relou. Bah ouais, zéro de dégâts, ouais, bah ouais, mais ça m'intéresse pas trop du coup. Parce qu'en fait, quand je tape, moi j'aime bien que ça fasse des dégâts. Hein. Je suis un peu old school comme mec, quoi. Quand j'utilise des armes, j'aime bien qu'elles fassent des dégâts. Et bah j'en pense que ouais, c'est quand même très punitif. Hein. J'en pense que c'est punitif, mais je n'y vais pas à reculons, quoi. Je me dis pas, ah mon dieu, il faut que je joue à Dark Souls en stream. Non, non, j'y vais plutôt plutôt satisfait. Je suis content de faire des streams de Dark Souls. Donc voilà. Hein. Ah, ce recul. Salut Kuran. Casse, il est pourri ton village. Arrêtez, hein. La dernière fois que j'ai Van Beyond, ça s'est pas bien passé. Hein. Calmez-vous. Donc 28 842. Moi je dis on va totalement retrouver André le géant. Est-ce que d'après vous ils ont fait exprès d'appeler le géant André? Enfin le. Ah, il est... Ouais non, il est pas géant en fait. Donc c'est non, c'est moi. C'est moi qui suis. Eh, il y avait pas un mec qui vendait des trucs ici avant? Il est mort? Il est mort le soleil. Ah, je leur fais vachement plus de dégâts. Ah ouais, je vais les tuer en trois coups là. Ah ouais, c'est cool. This is cool. Je suis sûr que c'est le genre de gros truc dégueulasse qui le détruit bien en vrai. Oui. Ah ouais, les Japonais sont des grands fans de catch. Hein. Mais le truc, c'est qu'après, je me suis dit, ouais, c'est pas. C'est un forgeron, mais il est pas géant. C'est pas un géant. Ou. La référence à André le géant, je pense pas en fait. Oui, oui, pour ceux qui... Voilà, André le Géant, hein, c'était un catcheur français. André the Giant. Mais il était français. Et il faisait bah, la WWE. Alors, à l'époque, c'était la WWF, la World Wrestling Federation aux États-Unis. Et c'est une légende du catch. Hein. Et il est décédé assez récemment, en plus. Hein. Et notamment, il y a des ennemis de Street of Rage, justement, qui sont des grands ennemis avec les cheveux un peu bouclés comme ça,
qui sont une référence justement, un hommage à André le Géant. Et il s'appelait André le Géant parce qu'il était méga grand, hein. 2m24, ouais, 2m24, voilà. Et à mon avis, c'était genre le genre de mec, c'était 2m24 et 150 kg, mais vous savez, peut-être même 170, mais la masse, quoi. '93, putain, je confonds avec quelqu'un d'autre qui est mort récemment alors. Ouais, 93, c'est pas récent du tout, ouais. Bah, ouais, voilà, c'est ça, c'est 100, ouais, entre 170 et 250 kg. Mais par rapport à son gabarit, ça en faisait juste un corps, on va dire, entre athlétique et un peu fort, quoi. Voilà, suivant le... En ce moment, alors je sais pas s'il catch encore, mais ce genre de gabarit, on le retrouve chez le Big Show. On le retrouvait s'il catch plus. Ou The Great Khali aussi. C'est ça, c'est ça. C'est exactement ça, tu sais. Mais ça énerve, le truc, c'est quoi? J'avais 5 ans en 93, donc je sais pas, je m'explique pas. Je m'explique pas, je pense que je l'ai confondu avec un autre. Le fait qu'il soit mort récemment, il doit y avoir un autre catcheur, un grand gabarit qui doit être décédé récemment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, bah la zone poison, c'est bon, c'est fait, hein, on n'en parle plus là. Ah, l'Undertaker, c'est pas le même gabarit, mais effectivement, l'Undertaker fait déjà dans les 2 mètres, je crois. Ou non, bah, écoutez, on verra ce qu'on achète plus tard. Ah, bah moi en fait, je regardais le samedi, je regardais le catch, et après, il y avait ça Cartoon. Avec sa cartoon, Philippe Dana, tout ça, enfin bref. À la bonne époque, quoi. Le jeu de catch où tu pouvais gruger avec les cordes, mais c'est bien ça. La base. Ouais, l'Undertaker est très grand. Hein. Et très très baraqué.
C'est une masse le mec, c'est un truc de ouf. Ah bah bien sûr, les bastons en dehors du ring, c'est la base. C'est la base. Ils ont fait un... Alors, j'ai regardé là sur Nintendo 64, y a un jeu de catch qu'ils ont fait, où justement c'était Out Limit ou je sais pas quoi, où en fait c'est que des combats mais en dehors du ring. Donc je sais plus, par contre je crois que c'est un jeu... Je sais pas s'il est dans la liste parce que je crois qu'il est pas sorti en PAL celui-là. Et c'est tout. Ça fait même pas de la lumière ou je sais pas quoi. C'est un peu décevant. Avant Télévisateur 2, il y avait du catch aussi. Vous avez vu? Oh putain. Oh, j'ai quitté le hard mode. Alors ça reste le hard mode parce que normalement j'aurais pu le renforcer une deuxième fois du coup. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est dégueulasse. Je te casse ta gueule? Je fais quoi? Ah, j'ai vidé l'eau. Ça a pas l'air hostile. Mais je peux pas. Ah, bon. Hello. Was it you who rang the bell of awakening? Très mauvais choix de voix. King Seeker Frant, close friend of the great Lord Gwyn, chosen undead, who has rung the bell of awakening. I wish to elucidate your fate. Do you seek such enlightenment? Oui. Very well. Then I am pleased to share. Chosen undead, your fate is to succeed. Ah, rien que ça, d'accord. Win, so that you may link the fire, cast away the dark, and undo the curse of the undead. To this end, you must visit Anor Londo and acquire the Lord Vessel. Très bien. I am pleased. Is it so? Qui dit ça? La forteresse de sel. Ah, c'est ça que... D'accord, je viens de comprendre. C'est quoi, alimenter objet? Ça va consommer des trucs? Genre toutes les armes que je me sers pas, enfin toutes les armes dont je ne me sers pas, pardon, je peux lui refiler quoi. Et ça? Il veut que je convertisse des trucs, mais je les convertis en quoi?
Ah mais non, mais attendez, du coup si, attends, tiens, je te... Ah, ça les casse en version inférieure, d'accord. Ah bah non, bah... Bah non. Du coup, je peux lui donner... Ah, et puis ça va fouiller dans mon... Dans mon inventaire... Ah, c'est cool. Puis donner des trucs que j'ai en double, par exemple. Depuis quand j'ai... C'est quoi ça? Putain, j'en ai de l'âge de démon. Hein. Ouais, je vais les remonter. Ouais, quoi que. Ouais, ça se trouve, on peut forger. Ouais, ouais, je vais garder. Je prends le tips. Je prends le tips. Donc celle-là qui file... Alors attends. Ça c'est 200. Et ça c'est 400. Allez hop. Donc je prends ça. Merci. C'est gratuit, c'est cadeau. Alors je garde mes 20 000 balles. Mes 20 000. Je vais garder 20 000 âmes. 20 000... 20 000 âmes ? Non, 20 000 âmes. 20 000 âmes. Bon, à peu près 20 000. Alors, je veux aller où maintenant? Oh, I'm sorry. D'accord. Ah putain, d'accord, c'est un putain de dragon pervers en fait. Enfin, de serpent pervers. Libido Snake. Elle est pas mal celle-là. Mais non, mais attendez, il me faut 20 000. Merde. Vite, allons taper des trucs.
deux d'un coup, hein. Fragment titanite, je prends. Voilà. J'ai 20 000, je vais pouvoir acheter. Je sais pas si j'étais clair quand je parlais de ce truc-là la dernière fois. Je vais vous montrer ce que j'aimerais acheter. Ah bah non, moi je veux pas qu'elle devienne une épée à... Alors ça j'ai pas compris en fait. Moi je l'ai modifié pour que ça, je puisse la mettre plus 10. Ça avait l'air d'être plus efficace. Mais je sais pas ce que c'est une épée brute à deux mains. Bref. Non, je voulais acheter ça moi. Ça baisse le scaling. Ah bah c'est moins bien du coup. Donc moi je vais prendre ça. Je sais pas, hein, c'est un truc qui ouvre une porte. Voilà. Et maintenant je vais essayer de retourner. Putain, c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait ça. Je vais essayer de retourner dans la forêt. Peut-être. Est-ce que je lui fais des dégâts à ça maintenant? Ah ouais, c'était vraiment très très ambitieux la première fois que je suis allé et que je me suis dit tiens je vais le taper quoi. Mais on dirait qu'il est en titanite le truc, non? On dirait un monstre de titanite. Oh je suis sûr que ça donne des trucs cool. Faut que je me soigne, oui. Démon de titanite. Ah bah voilà, je l'avais dit. Alors question. Il revient ou pas? J'ai l'impression que les titanites démoniaques machin là, ça doit être des objets rares. Je pense pas qu'on puisse les farmer facilement. Donc je pense que je vais aller faire... Il a clignoté là, comme les monstres qui reviennent pas là. Je pense qu'il revient pas. C'est surfait. Bah écoute, bah il a pas usurpé sa réputation de jeu exigeant quand même. Ça. Ça on ne peut que être d'accord. Rentrer, rien, papa, oui, non, ça, je m'amuserai pas à tuer André. Hein. Ah, ça donne du lichen, ça, c'est cool.
Non, je sais. Alors, je précise à ceux qui se posent la question, je sais que c'est pas là que le jeu veut que j'aille pour l'instant. Hein. Mais j'aimerais essayer. Voilà. J'aimerais voir un petit peu si. Si je m'en sors mieux, ce genre de truc. Surprise! Je ne m'en souvenais plus de lui. Ah, merci pour le. Merci pour le sub, Kuran. Des bisous. Merci beaucoup. Le désert, la glace. J'ai croisé des ennemis qui ressemblaient à des ennemis de glace. Ah, donc c'est ça. Ah, puis t'as tué Scalino. Effectivement. C'est ça que je viens d'acheter, hein. D'accord. Ah bah ouais, mais attendez, parce que... Non, chaque chose en son temps. Le papillon d'abord. Pour rentrer sans blé, parce que je me souviens de cette porte fermée. Hein. Mais non, ça pue l'embrouille, j'irai voir après. J'irai voir après. Je vais tuer mon papillon d'abord. Moi, je vais procéder méthodiquement. Je vais essayer d'arrêter de m'éparpiller partout là. Je vais essayer de prendre ma revanche aussi sur ces saloperies de statues de pierre. Voilà, ça c'était mon match-up au début du jeu. Par contre, un espadon, ça j'aime bien moi. Ah, ça fait des dégâts magiques. Oh. C'est lourd par contre. Hein. Bah, concernant ces ennemis-là, j'ai l'impression que oui, je peux en terrasser quelques-uns. Lève en même temps, c'est nul.
Nul. Ah, attendez, c'était où le boss par contre, je sais plus. Donc là il y a encore une statue de pierre, ouais ça je me souviens. Ouais, ça c'est des ennemis à la con là. Ok. Salut Night Love. Je sais pas, je. Le mur me paraissait suspect. Alors, est-ce que je vais comprendre ce boss ? Est-ce que... Ah, ah bah écoute, elles sont là pour ça. Hein. Elles sont là pour ça. Est-ce que donc, je vais comprendre quelque chose à ce boss ou pas ? Ben là, c'est des attaques magiques et c'est mon bouclier qui a le plus de défense magique. Je crois. Ah, peut-être pas. Peut-être mourir. Il n'y a pas le sort, je sais pas, Bégon Spray ou... Non mais je comprends pas le boss, hein. Faut que j'envoie ces trucs. Ah! Casser ta gueule. Ah oui d'accord, oh, putain. Je le sens moyen ça. D'accord. Mais j'ai pas de magie. Moi je suis un bourrin. Ah super. Ah ouais, mais parce que honnêtement, du coup, la première fois que je l'ai, enfin les premières fois que je l'ai essayé, c'est pareil, il m'a fait plein de sorts. Du coup, je pensais l'avoir, bah, qu'il fallait absolument un arc ou un truc comme ça. Mais du coup, maintenant, je comprends mieux le boss. C'est un espèce de tuto esquive en fait. À moins qu'on puisse vraiment lui renvoyer ses sorts. Il a pas l'air décidé. Je tente. Ah, les GG, merci. Ça méritait amplement. Alors attendez. C'est vrai, en plus la musique, elle te donne pas envie de le taper, le boss. Ah, on peut descendre. Bon, ça sent encore le piège à con, ça.
C'est vrai qu'il n'a pas opposé une farouche résistance pour le coup. Bah, j'ai un petit peu plus le gameplay en main, faut dire, et du coup je pense que c'est plus un boss que t'es censé combattre vers le début. Bah quand tu explores un petit peu comme moi quoi. Qui zigza? Je vais me faire taper. D'accord. C'est un forgeron ça? Ah, il ressemble à André. Donc les braises machin, c'est pour crafter des armes. Je sais pas. Divine, c'est, dans le nom c'était écrit divine, je ne sais pas. Très bien, ok. Bah ouais, hein, il lui ressemble hein, quand même. Je te braise. Ah, il avait l'air optionnel, ouais. Je sais pas, j'ai l'impression que les boss qui te filent une âme de truc, ils sont optionnels, mais je dis peut-être une connerie. Parce que là, j'ai eu l'âme de... Je vais tellement pas le respecter, ce boss, que j'ai déjà oublié son nom, mais... Oui, alors c'est sûr que si tu fais des OB jusqu'à la fin du jeu, oui... Alors. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, j'aime pas trop. Brouillard, tout ça. Oh, t'es qui, toi? Tu crois que je t'ai pas vu? Il a cru que je l'avais pas vu. Bordel de nouilles! Ah, ça m'attaque à deux. Ah oh bah oui, voilà. Qu'est-ce qu'il fait automode? Mais j'ai même pas activé l'automode. Désolé, Coban, hein, je suppose que... Ah bah ouais, j'ai été surpris en fait. Mais j'aurais pu les buter, mais j'ai été surpris. Ça vend du rêve quand même, hein, des armes divines. Ça vend du rêve, allez. Mais je suppose que par contre j'ai pas de... Ha 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 ha
Donc là, je peux la transformer en arme divine à deux mains. Par contre, le truc, c'est que je regarde les stats d'attaque. C'est pas fifou. Mais les armes divines ont peut-être des caractéristiques. Je vais garder mon arme telle quelle. De toute façon, j'ai plus d'âme. Donc voilà, je vais. Je sacrifierai une autre arme. Ah ouais, donc ouais, c'est pas pour mon build quoi. Clairement pas. Si ça scale avec l'intelligence, bah. Voilà quoi. Vous avez bien compris que je ne peux pas équiper ces armes. Oui. Ikoban, j'ai upgrade cette épée là. Pour qu'elle puisse aller jusqu'à plus 10. J'ai eu d'ailleurs. Je l'ai mise à plus 7. Voilà. Parce que j'ai pas de tablette de titanite sinon. Pas de. Enfin, j'ai pas ce qu'il faut quoi. Sinon, j'aurais mis plus. J'aurais mis plus, vous voyez. C'est là où il y avait des trucs de. Putain, je m'éparpille trop. Non, attends. Va prendre ta vengeance déjà. Il y avait des trucs de glace là où je suis pas allé aussi, je me suis enfui en courant. Bah écoute, moi je l'ai prise. Salut à toi déjà, oui, bonjour. Je l'ai prise, elle me plaisait, j'ai tapé. Ruiner l'expérience de jeu, je ne suis pas sûr. Ah ouais, c'était des trucs de cristal, ouais, peut-être. De la glace, je ne sais pas. Ah, elle est peut-être cheatée, j'en sais rien. Hein. Je sais pas, je l'ai prise au pif. Hein. Vous avez qu'à pas me la filer au début du jeu, hein. Tiens, y'a quoi là? Y'a rien. Oh oui, je m'en fous. Je prends mon arme. Je découvre. Laissez-moi mourir en paix. Mais il était où le chevalier noir du coup? Parce que je vois le mec qui lance les sorts là, il est là, là. Mais l'autre. Ah, merci monsieur. Je sais pas ce que tu fais. Oh bah non, faut le prendre comme ça, Beyond. Enfin, je sais pas. Je suis particulièrement mauvais, hein. Merde, j'ai tapé dans l'arbre. Ah non. Mais c'est Kung Fu toi, tiens. Mais oh. Ah, GLS, c'est téléphone, c'est ça là? Non, c'est GSM. Mais c'est quoi tous ces humains qui veulent me tuer?
hop, hop, hop. Ils reviennent, les humains que je tue ? On verra quand je vais mourir. alors, qu'est-ce qu'on a ? Comment t'as fait pour remonter aussi vite? Bah, ça va? Comme pris un peu. Merde, je me suis trompé de. J'ai quand même pris un peu de temps, non? Salut. Ce avec la masse, je sais pas, oui, sans doute. Bah, il joue pas. Ouais, il lance des. Il lance des. La zone est vaste en fait. Ah mais ça me tire des. Oh là là. Ça me crache des trucs à la gueule. Qui êtes-vous, monsieur? Bonjour. Monsieur trompette touche. J'ai du bol sur celui-là. Ah, chapeau de Faris. Mon chapeau, c'est le plus beau de tous les chapeaux. Je regarderai après. Il n'y a pas un feu dans le coin du coup ou... Ah ouais? Un chapeau de farine. Ah ça fait du saignement, c'est pas bien. D'accord, il s'est aperçu de mon écrasante suprématie, du coup il bouge plus, c'est ça? Il y a plein de feux ici, au moins un, oui, merci.
J'ai déjà dépassé le feu? Oh. Oh, lui, il a l'air sacrément vénère par contre. J'ai même tapé à côté, merde, t'es sérieux? Voilà, ça ferait respawn tous les ennemis du coup, si j'ai bien compris. J'ai peut-être pas envie. Ah, c'est une blague? Putain, en plus je me faisais attaquer par des trucs. Moi j'en ai un à foutre. On m'a dit un feu là-bas, j'y vais. Rien à foutre, 34 000 âmes. Rien à foutre. De toute façon, j'ai déjà ruiné mon expérience de jeu en ayant une grosse épée, alors... C'est pas deux niveaux qui vont... Ah mais d'accord, mais par contre ça... Oui, En fait, d'accord, ça fait ça, je savais pas. Bah du coup, je vais les cramer. Oui, bah oui, non mais c'est logique en plus. Ça te fait revenir au feu et ça fait comme si tu t'étais couché dedans. Ok, bon bah... Dans ce cas-là, si on me prend par les sentiments... Ouais, je me couche dans le feu, moi. Je suis ouf. Tiens, je vais d'ailleurs... On sait jamais. On sait jamais. Vroom, vroom.
La fiole d'astuce, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Ouais, t'as vu? T'as vu, j'ai pas utilisé mon inventaire pour faire du caca. Par contre, Néo, t'as totalement raison, hein, c'est-à-dire que j'ai pas d'autre sauvegarde, moi. Tu as la... Je crois que tu as la... Ça, là. Ça s'utilise pas, ça. Merde. Je me mets en pause en Dark Souls. Innocent. Innocent. Ah, ça s'utilise quand même. D'accord. Ah, c'est un peu chaud. Ouais, mais à la limite, entre perdre toutes mes âmes et devoir me retaper tout le jeu, bon, je préfère me perdre mes âmes. Je t'interdis de me toucher. Ne me touchez pas, monsieur. Bah non, mais maintenant que tu le dis, Curan, oui, totalement, je vais le faire. Je sais pas comment on fait par contre, parce qu'il n'y a pas de copier sauvegarde, mais je vais le faire. Je trouverai un moyen. Allez, on la refait en moins crispé. Mais attends, j'ai déjà passé le feu. Qu'est-ce que vous me racontez là, monsieur? Y a pas de feu là. Qu'est-ce que vous me dites? Ah ouais, sauvegarde corrompue, ouais, c'est chaud. C'est quel jeu qui m'avait fait ça, moi? Je sais plus. Mais j'ai déjà eu une sauvegarde corrompue sur un jeu et... J'étais pas chaud froid. Non, il n'y a pas 20 secondes, hein. Non, franchement, il y a quoi? Il y a 2-3 secondes. Il y a 2-3 secondes. Ça m'intrigue cette histoire. Je suis totalement bidleux en fait. Là il dit très chaud, donc ça veut dire là je l'ai déjà dépassé en fait. Voilà. Vous voyez? Donc voilà, ouais, voyez, j'arrive à suivre les indications. Bah, Celsius, Kelvin, c'est pas grave, chaud ça reste chaud. Saute dans le trou. Le foie n'en redevient pas. Attendez, qu'est-ce que vous me dites? C'est ton point de sauvegarde. Non, là par contre, sans déconner, c'est ton point de sauvegarde. Vous savez, c'est le truc qui te sert à sauvegarder ta progression. Tu le caches pas derrière un mur. Sans déconner. Franchement, Ah bah là, Juriste, ça se place... tu vois là, bah, vous le voyez pas, vous, où je le mets. Mais c'est très haut, hein.
Petit coup de chance. Et c'est pour ça que je dis que le jeu est vraiment, par certains aspects, pas difficile. Il est juste pute. C'est pour ce genre de truc. Alors, il a des bonnes idées, bien sûr. Hein, il a plein. Il a beaucoup plus de bonnes idées, je pense, que de mauvaises. Hein, mais voilà. Mais attendez, lui il est revenu, mais l'autre, attends, ils reviennent pas tous? Ah ouais, non, planquer des trucs, j'ai rien contre. Au contraire, c'est bien. Planquer une sauvegarde. Ah oui, non, d'accord, ils vont tous... D'accord. Bonjour, j'ai fait de la merde. Alors, on va s'ajouter comme ça plutôt. Hein. Blam! T'as pas lancé ton sort! Ne te moque pas de moi, monsieur. Je suis sûr que c'est un sort de soin de zone, c'est ça? J'arrive plus à process les informations en fait. Et je fais de la merde là. Mais vraiment, hein, je suis juste nul là. En fait, je suis juste nul là. Ah si si, je suis juste nul. Je sais pas si c'est à ça que tu répondais en fait. Ah, il me faut du sel. Bah j'en ai déjà un petit peu là. J'en ai eu un petit peu là quand même. Hier j'ai eu une bonne dose de sel quand même. Le mec essaie de taper avec son bâton. Bah, il m'a vu jouer avant, il s'est dit ouais, il est prenable lui. Il est prenable au bâton. Pas de problème. Je pense que c'est ça en fait. Gandalf, ouais, ouais, ouais. Par contre, à mon avis, si tu croises Gandalf dans Dark Souls, tu le vis pas très bien, hein. Ah, je me disais bien que j'en entendais deux. Ah bah oui, voilà, j'en entendais deux. C'est parce qu'ils sont trois en fait. Mais moi aussi, j'ai levé les bras au ciel pour faire une attaque. Hein.
vous pouvez arrêter d'être 12? Mais... Oh mais allez vous faire foutre. Oh sérieux? Ah y'a peut-être quelqu'un qui a mis une skin Gandalf dans le jeu. Je ne sais pas. Il y a eu, ça parle de bugs, il y a eu quelques, j'ai eu quelques mises à jour sur le jeu, dont une aujourd'hui. Des petites mages hein, de, je sais pas, 40 mais... Gars, je me suis pris en pleine tête. Alors qu'est-ce que je voulais faire à la base, je ne sais pas. Mais je pense que c'était pas ça. Je pense que c'était pas ça. Je pense qu'on va faire pause. Le magicien d'Obé qui m'a enlevé les trois quarts de ma vie parce que j'ai fait du caca. Bravo. Ah, j'ai fait 34 PV mais ça l'a achevé. Par contre je... Oui, Uriste, oui, j'ai vu. Tu tues un mob, 2000 âmes, t'es à 3 mètres du feu. Si je peux tourner hein. Ah ça fait pas d'attaque, ça fait pas de backstab, c'est nul. Mais pourquoi il... Elle est quand même sacrément visible. Enfin, je veux dire, ils voient quand je vais les attaquer les mecs quand même. Hein. Ils ont le temps. Ah non mais c'est pas ça que je veux faire en plus, c'est ça. Voilà. J'avais perdu mes âmes, faut peut-être que j'aille les récupérer par contre. Alors j'ai essayé de pas faire le bourrin cette fois. Enfin. Alors on va s'assurer que les ennemis sont bien morts avant d'aller en chercher d'autres en fait. Oui. Riche idée.
C'est vrai que je me rends compte que la communauté Dark Souls, c'est quand même un truc. C'est-à-dire que vous commencez à sortir des chiffres, des machins, 78 âmes par seconde, truc. Vous en êtes rendu à des niveaux speedrunner, en fait, alors que je suppose que vous speedrunnez pas le jeu, ou en tout cas pas tous. Ah non, 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 je sais pas tout ce que je veux dire. C'est que vous sortez des détails techniques du jeu que normalement dans un autre jeu ce serait vraiment que les speedrunners qui s'en inquiéteraient quoi. Ah toi tu fais du speedrun, ok. Putain, je l'avais entendu hein. Mais putain de chiottes de merde, mais vous sortez d'où? Mais ouais, je suis un noob, donc ça va. Et puis il se barre en mode... Mais t'es censé être quoi? Un rat? Un loup? Un truc? Un truc qui mord? Un truc qui ne crève pas? C'est quoi ça? C'est l'homme ou sport? Ah mais c'est qui? Ah mais ah bah oui, ah bah oui, faisons ça, faisons ça. Tiens, Michel. Avec, bizarrement, âme de courageux guerrier, je sais pas, je me sens pas âme de courageux guerrier là. Tiens, qu'est-ce qu'il y a ici? Ça va me faire des dégâts de feu. J'ai des gants. J'ai des gants et des bottes. J'ai pas de... J'ai plus de fiole là en fait, hein. Peut-être que je me casse. Oh putain de chiottes de saloperie. Je me casse, rien à foutre. Je... voilà. J'en ai rien à foutre. C'est tes enculés. J'y retournerai. Alors, j'y retournerai. Non, non, je déconne pas en plus. J'y retournerai. Mais avec un petit peu plus de fiole de. Un petit peu plus de fiole d'estus.
T'as déjà tué le grand frère, machin. Je suis sûr. Je suis sûr qu'ils disent ça pour m'amadouer, que je baisse ma garde. Et en fait, c'est pas le petit frère, mais c'est le daron. Oublie pas ton arc. Ah ouais, j'ai pas mis de point de dext pour équiper mon arc. Mais je voulais aller à un autre endroit ici en fait, mais je sais plus où c'est du coup. Non mais j'irai, j'irai là, promis, j'irai. C'est une promesse. Mais juste j'ai plus de fiole là, je vais pas y aller, j'ai pas de fiole quoi. Putain, sauvé par un arbre, toi t'as eu de la chance. Mais là, vous pouvez me dire d'aller n'importe où, je sais même plus d'où je viens, donc c'est pas grave. Hein. Ah ouais. Bah, c'est-à-dire qu'à un moment... saute dans les trous. Dis donc, Yuris, c'est pas toi hier qui m'a dit de ne pas sauter dans les trous? Tu me l'as dit hier. Eh bien, écoute, du coup, je vais t'écouter ton toi d'hier. Je viens de faire une connerie, c'est ça? Bon. Bah, en même temps, vous êtes d'accord que je viens de me faire agresser par 6 fois ça, mais en 10 fois plus gros. Donc je me suis dit, ça va me sauter dessus. Ah, je peux pas m'absoudre de mes péchés. Bah le problème c'est j'étais là et ça me proposait pas de parler hein, donc moi je voilà. Hein. Mais moi j'ai buté personne. Ils m'ont attaqué. C'est terrible. De toute façon, faut que je retourne au feu. Je viens de voir, il est 23h15.
Je vais revenir, je sais pas ce qui m'attend, je vais revenir. Bah écoutez, si vous me dites que je peux m'absoudre de mes péchés, à la limite je vais farmer comme un gros goret, et puis je vais farmer comme un gros porc, et puis voilà, et puis je irai lui parler. Ah, ses potes, j'ai compris où tu voulais en venir. Mais par contre, sans déconner, il va falloir qu'on revoie un peu notre définition de chat, en fait, les gens. C'est pas un chat, hein. C'est une bestiole blanche dégueulasse. Ah, les 21K, je les récupère, pas de problème. Je vous montre. Je vous montre comment on joue au jeu là, regardez. Il est sérieux lui, comment il a fait ce prodige de mouvement là? Ça n'existe pas. Je peux dissoudre. Ouais, bon, c'est bon, je veux farmer comme un porc. Je farmerai hors ligne, hors stream comme un porc, et puis je reviendrai là, et puis. Bon, bah voilà. Il suffit de spoiler un chat, c'est pas grave. Là, je viens de faire une connerie. Ah c'est bien. Ah ouais mais c'est même pas un sort de soin là, c'est... Oh putain. Pourquoi il a donné un coup de pied ce con? Par contre, il croit vraiment qu'il est vraiment invisible, lui, ou... Comment ça se passe? Vas-y, vas-y. Ah merde. Ah non, il recommence pas. Bon. Un jeu exigeant qu'on vous dit.
Oh putain! Changement SRAT. Bah, je sais pas. Bah, moi, je fais comme ça vient, hein, le jeu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En vrai, moi, enfin. Je suis cheaté, moi, je sais pas. J'ai mis en force, j'ai trouvé une grosse arme, je tape, quoi, enfin. En plus, je meurs beaucoup, hein, quand même, pour quelqu'un qui est cheaté. Enfin. Coucou Romain, oui, du coup. Oh là là, ça commence à me balancer des noms de boss et tout. Calmez-vous, calmez-vous. Ah, ça commence à tuer les viewers. Ah, oh bah, par contre, là, on est mal. Alors, en forme, j'arrive pas jusque-là. Non, Romain, j'étais en fait j'étais à deux doigts d'arrêter là. Je vais voir combien de péchés. Alors c'est ce que j'expliquais hier, Néo. En fait, j'ai coupé le stream, vous savez, bah, juste en face du dragon, et j'ai posé ma manette comme ça. Enfin, en fait, voilà, j'ai posé ma manette comme ça. Voilà ce qui s'est passé exactement. Et vu que j'étais en face de la queue du dragon, bah voilà. Mais c'est pas la première fois que je te donne des coups dans un jeu en posant la manette. Je sais pas pourquoi. Je vais être en bourre. Hein. Donc pour absoudre ses péchés, c'est là-haut, c'est ça. Je veux juste voir combien il me faut parce que j'ai du mal à visualiser le bazar. Ah oui. Il le donne quoi? Je sais plus ce que j'ai dit. Ah! Oui, moi je... Oui, je... Ouais, c'est vrai. J'ai cru remarquer que les ennemis donnaient les armes qu'ils équipaient des fois. C'est-à-dire, ils ont leurs armes comme ça. On les tape. On les défonce. Mais il n'y a que seulement des fois où on peut les récupérer les armes. Ah! Oh! Ah bah merci Romain.
Oh là là. Ah bah merci beaucoup. Bah écoute, promesse, je t'avoue que je me souvenais pas de cette promesse, mais je prends. Hein. Merci, merci. Vous savez quelle connerie je viens de... j'ai failli faire là? Je sais que vous savez ce que j'ai failli faire. J'ai failli lui donner un coup. Ah bah voilà! Bon, que 24 500 âmes. Celui-là, je pense, si tu le tapes, t'es pas bien. Hein. Enfin, si tu le tapes et que tu t'en fous pas de... Enfin, et que tu... Vous n'avez commis aucun péché. Bah alors, ouais, Néo, moi c'est ce que je me disais en fait. Avant de finir le jeu, je vais défoncer tout le monde. Je m'étais dit ça aussi. Je m'étais dit ça aussi, Néo. Le. Juste pour voir. Alors, et normalement, si j'ai pas fait trop le débile. J'ai pas fait trop le débile. Alors tu m'as puisqu'on en est à Spoilland Festland, tu voulais que je fasse quoi exactement, Néo? Je cours bouclier levé jusqu'au truc. C'est ça que tu me disais. Non, je cours. Je cours comme un dératé. Qu'est-ce que... C'est-à-dire, là je cours genre comme ça, là. Moi, on m'a dit jusqu'au chat. Je vais courir jusqu'au chat. Ah, il faut que je fasse demi-tour. Je n'ai pas compris. Voilà, ça c'est pas un chat. Hein. Mais moi je la connais même pas, la légende d'Artorias, du coup Ouais, un chat crocodile. Ouais. Ouais. Ouais, bon, ok. Un chat crocodile. Oui. I command a clan of hunters who track down defiance.
leaders of the forest groves. What does thou say? Wilt thou not join us? Oh, yes, I believe we would suit thee well. Bah j'ai un sarment avec les dragons aussi moi. Ouah, non, celui du sarment je m'en fous en fait. Je vais juste prendre... Paf. De toute façon je m'en fous. Je m'en fous des sarments et puis c'est pour les succès. Ah mais j'avais, j'ai donné des trucs au dragon. Rien à foutre. Oh. Un anneau serment chat. Si, si, on peut changer de serment au feu de camp. Mais j'ai pas envie d'être invoqué, qu'est-ce que... Du coup, c'est bon là. Je peux même te parler, je suis sûr. Ah non. Bon, du coup, je peux plus les farmer. Tiens, t'es qui toi ? I'm Shiva of the East, captain of the brigade. Let's teach you the clan basics now. Ça fait plus que deux mots. Except there is little in the form of the rules. Fight and hunt. Whoever's fastest gets to pay. That's the way to do it. Only, don't forget what Alvina said. Traitors aren't given a second chance for any reason. That's about it then. Don't worry. It's a good old time, isn't it? Great to have you with us. Good hunting to you. Non, mais de toute façon, je suis trop pété, il paraît, alors. Ça sert à rien de les farmer. Bon, avant de quitter le stream... Romain, je repense à ce que tu m'as dit. Oui, effectivement, tu me l'avais dit, ouais. Mais vu que tu avais fait à Sapin, tu vois, je pensais pas que tu le ferais dans le même mois à tout le monde. D'ailleurs, je te le dis, Romain, pense bien à désactiver le Risoboto à 25. Hein. Si tu veux pas avoir de surprise.
Non, mais... Surprise! Ça serait quand même dommage. Non, attendez. Je voulais juste aller voir un truc avant de partir. Un autre endroit. Je retournerai, hein, bien sûr, à explorer dans la forêt. Mais c'était où? Je veux juste voir. Je veux voir ce qui se passe. Attendez, j'ai entendu un truc qui me suivait là. Que là, c'est là où je m'étais dit la vache, le jeu il est sacrément fourbasse parce que les ennemis avaient l'air carrément vénères ici. Je veux juste voir si. Cool! Je pourrais améliorer mon arme. Ah, il y a plein de trucs cool partout, c'est bon. Je pense que j'ai compris maintenant. À chaque fois que je vais à un endroit, et t'es là, tu fais, oh, il y a plein de trucs cool ici. Et à chaque fois, je meurs. À chaque fois, ça finit par je meurs. Bordel de chiottes. Ouais. Vous, je ne vous aime pas, monsieur. Ah, ça va. Ah, ça va vite fait quand même, hein. Mais dis donc, ça a l'air vachement bien ça. C'est une hallebarde. Et hallebarde, c'est bien. Oh là là! Mais moi je voulais juste y aller vite fait, par contre en fait ça a l'air infini là. Oh! Qu'est-ce que ça fait? En termes de défense magique, c'est mieux que ce que j'ai.
Ah bah remarque, j'ai celui-là aussi qui est pas mal, hein, en termes de défense magique. Par contre, après en feu... En feu, je sais pas. Ah mais c'est bien ça. Ah bah oui. Ah bah oui, ah bah non, bah oui, ah bah là, pff, oh bah oui, pff. C'est bien, alors, Ah mais est-ce que je veux l'allumer ce feu? Est-ce que je veux me reposer ici en fait? Oh non mais les zones elles sont trop immenses quoi. C'est de là que je viens. Calmez-vous. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais soit être ravi, soit très mal le prendre. J'ai battu... Oh, ça fait longtemps que j'ai pas battu un boss. Hein. Ça fait très longtemps. Là, je... Ah si, j'ai battu Papillon. Merde. Le manque de respect total. Le pauvre Papillon. J'ai battu le Papillon, ouais. Mais bon... Alors, je suis où là? Oula. Ah, tu craches de la foudre. Regardez-moi ça. Oh. Ouais, mais ça vous ennuie si j'y vais plus tard? Ça, je préfère. Je me disperse trop là. J'irai plus tard ici. Ah ouais? Oh là là. Ah ouais, non mais c'est beaucoup trop craqué. Ah, je m'ai pas repris. Non, ouais, alors, je l'ai coquin, d'accord. Il y a une grosse baisse, je suppose. Non, je m'éparpille trop. Je préfère finir tout d'un coup là parce que. Mais parce qu'en plus, à la base, c'est même pas là que je voulais aller en fait. C'est ça le. C'est ça l'astuce. C'est même pas ce que je voulais faire là. Est-ce qu'il y a la forêt? Oui. Mais il y a autre chose.
Ah, c'est pour ça qu'il y en a qui sont à la bourre et d'autres qui sont pas à la bourre. Ah, je n'avais pas compris que le. Parce que du coup, oui, j'activais la faible latence pour le stream. Ce qui permet, bah. En théorie. Donc, ce qui permet en théorie de pouvoir communiquer plus rapidement avec les gens. Mais du coup, sur Firefox, ça marche pas. Non, je vois pas ce que. D'accord, Néo. T'es qui, toi? Mais du coup, les gens qui disent que mon arme est craquée, elle est pas craquée en vrai. Non, mais j'ai l'impression que c'est lui qui va me tuer en fait. Je vous déteste. Ah putain, je vous déteste tellement. Je le two-shot mais en 4 fois quoi, c'est ça. Explosé la tête et il m'a pas touché. Ah ça y est, je suis pété pour de vrai, ok ça marche. Merde, c'est quoi que j'ai eu? D'accord. Ouais, mais alors... Parce que moi, alors je sais pas après, parce que la notion d'être pété ou pas dans Dark Souls, parce que là moi je suis bon, je suis niveau 49, j'ai tout mis en force en endurance, et j'ai quand même, enfin j'ai l'impression d'avoir vachement upé mon arme en fait. Mais c'est peut-être normal que je le tabasse, non? Ah d'accord. Et puis bah en fait c'est l'onde de choc qui m'a repoussé mais c'est pas son coup. Du coup tant qu'il me tape pas bah il me tape pas quoi. Enfin. Non? Je sais pas. D'accord, on revient là. Ah bah voilà, je suis déjà au level. C'est ça le truc en fait. C'est parce que je prends mon temps. Bon en fait ça m'intéresse pas de revenir là.
Alors, ouais, c'est ça que je voulais voir. Ouais, ça veut dire que je peux porter des trucs. Je peux mettre genre une armure lourde par exemple. Bah moi au début du jeu je suis tombé sur les catacombes. Chacun sa croix. Mais c'est pas des dégâts, c'est ça me dit juste que... Ça me dit juste que je peux porter plus de trucs. Péché. Attends, attendez, on va couper court aux rumeurs de toute PGMitude de ma part. Donc, je l'ai vu, mais il faut vraiment que j'aille me coucher. Donc, je vous propose, on y retourne demain. Par contre, j'ai juste testé... Ah oui, eux, par contre... Je leur mets vachement plus de tarifs que la première fois que je suis venu. Hein. Alors je l'ai vu et elle m'a vu aussi. Elle est plus 7 et je peux pas te dire les stats parce que je suis poursuivi par des monstres. Ben voilà, c'est ce que je dis. Moi, j'ai exploré le jeu, j'ai plein de levels. Et vous me dites que le truc, il te met tarif, mais quand on y va au début du jeu, alors que c'est normal que je l'ai tué, moi, je suis arrivé 40 niveaux de plus que, que les autres gens. Bah non, par contre, si c'est l'idée que je veux faire, faut que je cherchais le feu, mais je suis pas bon là, il est pas là le feu. Je crois que je me suis perdu dans un couloir. T'es où déjà? Je me suis perdu dans un couloir. Non mais tu sais, je cherche le feu... Ouais, je veux bien un coup de main là parce qu'il faut vraiment que j'aille me coucher. J'ai les yeux qui me piquent. Le feu dans le tunnel là justement.
Enfin, je peux retourner à l'eau de feu, remarque, mais... Bah, je veux pas claquer un os de retour pour ça. Si. Non mais là, je parle pas de ce feu-là, moi. Hein. Je parle pas du feu là-bas, je parle d'un autre. Mais je sais plus où il est. J'étais pas tombé ou je sais pas quoi, je sais plus. Ouais, le feu dans la grotte, ouais. Bah ouais, c'est ouf. Mais c'était il y a 2 minutes en plus. Faut que je descende. Faut que je descende jusqu'où? À quel âge j'ai fait? Et puis, bah, j'ai eu un coup de bol et j'ai trouvé le, j'ai trouvé la technique en fait direct. C'est pas ce que je voulais faire par contre. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire du coup. Bah, ça va. Et j'ai ouvert la forteresse, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, là j'explore en fait. Hein. J'explore vraiment. Je suis pas perdu là en fait. Enfin, je suis pas perdu. Dans mon exploration, je me perds, mais je sais exactement où je veux aller. Ce que le jeu veut que je fasse. Et merci pour le follow. Oh, pour l'instant, non, je veux... Moi, j'ai pas envie de speedrun. Je vais déjà me contenter de finir le jeu. Je veux juste voir... Il me faut 32 en force et 18 en dex. Ok, bon. Donc demain ou dimanche ou un jour, je sais pas trop, le prochain stream, normalement demain mais je suis pas sûr. Prochain stream, on va aller voir l'hydre, voilà, je vais me faire défoncer encore parce que j'ai toujours pas compris comment j'ai battu l'autre hier, mais c'est pas grave. Et puis, moi je... Ah mais attendez, attendez. Avant de se quitter, il paraît que je suis craqué. Moi je me craque encore plus, rien à foutre. Erreur ou pas erreur, moi je m'en fous. Bref, donc je vous. En tout cas, je vous remercie d'être passé. Je vous fais des bisous. Je vous dis à demain, ou après-demain ou autre. Sachant que demain en plus, peut-être, si j'ai envie, je crois qu'il y a la confiée, la E3. Peut-être si j'ai envie, je la streamerai et puis je raconterai des conneries. Hein. Enfin, bref, comme tous les gens qui streament les confs 3, je suppose. allez, des bisous et puis je vous mets 5 minutes de pub. Hein. N'hésitez pas à rester, c'est gratuit pour vous. Moi, ça me rémunère. Ou juste bonne nuit tout court. Ciao.